Salut, c'est Maillard. Alors, nous avons tous été confrontés à un moment donné sur Dead by Daylight à ce qu'on a estimé comme étant un manque de courtoisie ou plus exactement une absence totale de fair play. Qu'on soit opposé à un tueur ou à des survivants, on a peut-être même râlé dans le lobby en disant « c'était injuste, Gen Rush, Palette Rush, Arb Rush, Rush Rush » et en tout cas, nous avons notre propre barème. De leur côté, les développeurs, eux, ont posé des interdits, voire des fiches de reporting. Mais il y a dans les communautés des jugements qui sont latents ou qui se rejoignent, des avis que nous partageons les uns avec les autres. En voilà un, en tant que tueur, parmi les choses que moi je respecte, vous allez voir en termes de jeu ce que ça donne. Je vous invite, vous, à parler de, tout simplement, vous, ce que vous respectez en tant que tueur. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans cette série, c'est à vous de me le dire, et je vous laisse découvrir la suite. Ah, c'est parti, nos... Bien. La 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 point 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 point. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est en train de tout miner, hein. Miner. Hein? 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 Ah, salut! Ah, toi, tu veux... Ok. Moi, non. Ah, toi, tu voulais me faire diversion. Sauf que c'est toi que je voulais. Papa, 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 papa. Vas-y, fais tomber la planche. Merci beaucoup. Et de rien. Allez, go. On y va, en route vers l'aventure. On y résiste. Ah, attention, c'est dommage. Salut. Salut. Oh, salut. C'est toi, hein, avec la lampe. Hein. C'était marrant ou pas? Est-ce que Stéphane? J'ai l'impression que Stéphane. Bern. Alors. Arrête de me bodyblock! Oh, c'est dégueulasse, hein? Dégueulasse. Bien. Allez. Quoi, vous essayez de, encore de vous en sortir, là? Vous faites quoi? Je t'ai vu. Je t'ai vu! Pas mal! Quelqu'un là? Salut! Alors, ça va? La lampe dans les yeux, bien ou bien? Impression que c'était plutôt bien que bien, hein? Alors. Bon. Alors. Tu veux essayer de lui faire quelque chose? Ah bah vas-y, je t'en prie, fais tomber la palette. C'est ton moment. Hein? Ou pas? Salut. Ça va? Ah, je vais pas tunnel l'autre, mon gars. Par contre, il est temps de récupérer un peu mes planches, hein. Mes planches, mes pièges. Bon. Alors, ah, qui est resté là quand même. Si vous avez fait ça, non. On peut récupérer mon piège. Merci beaucoup. Non, je veux récupérer. Ah bah voilà. Mais pourquoi tu t'es complètement. Mais c'est pas vrai. Ah, tu t'es carrément glitché quoi. Ah bah bravo. Belle mentalité. Ah, salut. Il y a quelqu'un qui a voulu partir en tractopelle. Hein. Faites pas ça. Je vous vois. Hein. Je vous vois. Est-ce que vous avez votre permis de tractopelle?
Je suis pas sûr, hein. Ah, salut. Ça va? Bonjour. Alors. Est-ce que nous avons quelqu'un qui va vouloir faire le tour ici, c'est Versailles, hein? Qu'est-ce qui s'est passé sur la game précédente? Je sais pas, ok. Attends. Ah. Salut. Bonjour. Je te reconnais, tu es pas la personne qui voulait me mettre une planche dans le nez. C'est que moi, j'ai le nez extrêmement fragile. Bah c'est ton moment, voilà. Très bien, parfait, excellent. Alors, très bien. Excellent, excellent, les dardes, bravo. Même pas. Bon bah... Alors, on disait quoi? On disait qu'il mange un cactus. Tout ça, tout ça. Alors, je t'amène ici, hein. C'est là, c'est un endroit franchement très safe. Hein. Ah bah alors? Oh là là! Alors ça, mon gars... Attention! Voilà. Et ne reviens plus dans le quartier! Parce qu'en fait, il voulait faire ça pour justement éviter d'avoir à revenir dans le coin. Parce que c'est tellement piégé comme endroit que... Par contre, il est là, hein, il est... Hein, Olivier, il est... Hein? Il est... Il a la... Pas tout à fait dans un terrain miné, mais... Mais presque, hein. Que quelqu'un aille l'aider. Attends. Non. Alors. Quelqu'un ou pas? Il est passé en P2. Oh, attendez par là. Hein. Personne. C'est très dangereux. Ne fais pas ça. Sérieux. Où est ton pote? Dis-moi toi. Alors, non, non, je veux récupérer le piège, je veux pas, ça m'intéresse pas ça. Toi, je viens de t'accrocher, hein, donc ça m'a... Ouais, il faut pas trop que je... Alors toi, c'est bon, toi t'es là. Ouais, ton pote. L'autre a fui ou il était encore là? J'ai donné un coup dans la nuque. Et je suis sûr que t'es dans le coin. Bon, j'ai peut-être... Attends. Alors toi t'es là. Hein. Hop, on va essayer de faire un truc. Rigolo. Non, dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Oh là là. Merci, j'aimerais pouvoir faire un truc. Merde. Voilà, alors. Ah, j'aurais dû la tourner dans l'autre sens. Allez. Non! Oh bon bah tant pis hein. Où sont les autres? Alors, nous avons 1, 2, 3. Alors l'autre est peut-être retourné vers le moteur. Carré d'or. Attends, non, t'as pas fait ça. Les trois moteurs sont ici. Les derniers hein. Finalement. Oh, je récupère les pièges au fin fond hein, de la galaxie. Au fin fond de l'univers. Il en reste deux de pièges, nom de Dieu. Ah, ça va être la fête, hein. À moins que vous fassiez les derniers moteurs qui soient là-bas. J'aurais dû le tourner dans l'autre sens hein, quand je descendais. C'est-à-dire que quand je pose un survivant sur le sol alors qu'il est sur mon épaule, il tombe derrière moi. Donc l'idée, c'est de devoir me retourner pour pouvoir faire ma pyramide humaine. Hein, pyramide qu'on ne présente plus, mais pyramide quand même, histoire de pouvoir faire quelque chose d'assez esthétique. Moi j'aime bien quand les choses sont ordonnées, sont ordonnées même avec un T majuscule. Donc ça serait dommage de se priver. Alors, parce qu'il a dû revenir voir là, bah ouais, bah évidemment. Je te vois, je sais que t'es là, t'es blessé, mais fallait pas faire ça. Hein. Fallait pas. Regarde, je vais faire un truc qui va vous dégoûter, parce que vous avez bien avancé là-dessus. Patrice Lafont, c'est vrai que ça change. Là, je piège littéralement le. Là, c'est foutu, hein, la réparation de celui-là. Là, c'est très compliqué.
Attends, t'es où? T'es là, hein? Ouais, t'es là. Ouais, t'es juste derrière. Salut. Oh, génial! Mais ça m'a fait un peu peur, hein? J'ai eu le palpitant tout frétillant. Donc, là, ça m'a... bravo, hein? C'est... excellent. C'est... attention, par contre, il y a des pièges là-bas, c'est très dangereux. Donc, je vous déconseille... Oui. Oui, je vous... vas-y, c'est bon. Alors ça, c'était... très bel état d'esprit. Par contre, il faut que je trouve le dernier. Parce que... alors, la trappe a dû apparaître. Alors, mon gars... où es-tu? Le dernier, ils en fichent, son pote, hein. Genre, mais littéralement. Ouais, salut, ça va. Donc, alors. Bien, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, ça commence à être très compliqué. Là. Alors, l'autre a dû aller chercher la trappe. Hein. Donc, on va faire un peu le sale, vu que c'est ce qu'on aime. Mais c'est ce qu'on ne pratique pas. Donc, on va chercher tranquillement la trappe. On a miné littéralement les... autres moteurs, donc on va venir par là, continuer à chercher. Alors est-ce que la trappe est ici? Si elle est dans le coin, l'autre a dû faire en sorte de le guetter parce que, bon, puisqu'il va pas aider son pote, hein, il n'est pas là pour ça, hein, on l'a bien compris, on l'a bien vu. S'il peut s'enfuir, ah ben c'est pas mal, hein. Et je suis plus là, quoi. Je suis plus à côté. Je suis vraiment plus à côté, là. C'est compliqué, hein. Avec Théo. T'as vu la... t'as vu la trappe? T'as fait quoi? Mais tu vas pas pouvoir, là, en plus, réparer l'autre moteur. Celui-là qui régresse. De foufou. Vous n'allez pas faire ces moteurs-là. Tu t'en fiches. Littéralement. Ah ouais, ah ouais, non, non, c'est un niveau supérieur, hein. Donc là, on a retenu, donc si on trouve la trappe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se pose dessus, hein, en mode Bouddha, que ça, il paraît que le body block fonctionne sur la trappe. Hein. Et une fois qu'on l'a fait, eh bien, on referme la trappe, hein, et ça lui apprendra... les leçons, il viendra en aide la prochaine fois à son poteau. Alors ça c'est non, hein, et il l'aide pas, quoi. Je veux dire, c'est, je m'éloigne de dingue, il n'y a personne. Donc, dans tous les cas, la trappe doit être de l'autre côté. Et l'autre, ah oui, mais le ninja, quoi, le ninja. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour trouver la trappe? Quoi, c'est la buée dans... dans mon casque qui fait ça? Aucune idée. Ah bah voilà. Salut mon gars, t'es là. T'es là, t'es obligé d'être là. Tu veux la trappe, c'est ça, hein? Bah tiens. Cadeau. Et l'autre est là-bas. En train de venir. Allez. Je te donne la trappe. Sérieux. J'espère que ça lui apprendra. J'espère que ça lui apprendra.